les avez conçus ? Avec tous mes collègues. Voilà. Et notre chef bien-aimé. Le Seigneur est bon, tu as autant de chance que nécessaire. Juste pour. Alors tu me dis, qu'est-ce que j'ai fait enlever? Qu'est-ce que tu as enlevé? Qu'est-ce que j'ai enlevé? Bon alors dis-le. Le mensonge. Tant mieux. La gourmandise. Tant mieux. Allez, hop. Allez, maintenant continue. Bravo. Alors, pureté. Ok, c'est parti. Attention, les mains, je vais te viser. Ça y est, partager les ventures, c'est-à-dire que nous sommes une petite réunion paroissiale de personnes qui, en dehors de leur travail, parce qu'on fait une réunion une fois par mois, hein, donc c'est une réunion mensuelle sous l'égide du Père Daniel, et on partage une parole, un temps de parole évangélique avec explication, avec l'application de cette parole dans notre vie occidentale, professionnel, et ce partage nous permet d'avancer non seulement au regard de l'évangile, mais en même temps d'appliquer les paroles, l'évangile à notre vie habituelle. Il faut refaire les besoins déjà. D'accord. Alors on est chronométré, comment ça se passe? Non, les petits enfants. C'est Saint-Martin-Tour. Oui, c'est lui. Ah ben oui, mais vous connaissez celui-là. Il y a un lion, ça doit aller par là. Hop, donc c'est Saint-Blondine. Hop, c'est ça. Il a un pain dans la main, ça peut être, qui ça peut être? C'est pas lui, il a une... Non, c'est pas lui non plus, lui il a une épée dans la main, donc c'est Saint-Paul. C'est lui, voilà, c'est lui. Là. Et donc elle, c'est Sainte-Claire, il manque la tête. Voilà. Bravo, bravo. J'ai jamais vu aussi rapide. Vous êtes le premier qui nous le fait. Avec un L. Alors Saint-Luc, on voit qu'il a un ange, c'est ça la question, non? Voilà, c'est ça la question. Alors, mais l'ange, c'est pas Saint-Matthieu? Non, c'est Saint-Luc. C'est pas parce que c'est marqué Luc? Non, c'est Saint-Matthieu. Ça, c'est Saint-Matthieu. Saint-Matthieu. Parce que l'ange, c'est Saint-Matthieu. Oui, l'ange, c'est Saint-Matthieu. Pourquoi c'est Saint-Matthieu, l'ange? Oui. Parce que son histoire, elle commence par l'ange. Ah, par l'annonciation? Non. Pourquoi? Alors, Parce qu'après, il y a le taureau, ça qui nous perturbe. Oui. Alors, effectivement, il y a on le taureau. On se rappelle bien, on l'a appris au catéchisme. Le taureau, c'est Saint-Luc. Oui. Parce que pourquoi? Le taureau, c'est Saint-Luc. Parce qu'à chaque fois. C'est pas le taureau, là. Non, ça, c'est le lion. On a le taureau, attendez, on va jusqu'au bout, on va y aller fort. Ouais. Viens. Avec de belles cornes, d'ailleurs. Alors, le taureau, c'est Saint-Luc. Voilà. Pourquoi? Parce que Saint-Luc, ça commence par l'évangile de l'enfance, et notamment la crèche. Ah, oh,
Le, l'aigle, parce que Saint Jean, quand, quand ça commence, l'évangile commence, c'est au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu. Et donc en fait, tout de suite, ça commence par une grande envolée théologique. C'est Saint Jean, c'est celui qui prend la hauteur. D'accord. Alors Saint Marc, il me semble que c'est parce que on parle du lion de la tribu de Judas, dès le début de l'évangile. Et Saint Luc, en fait, c'est un homme avec des ailes, donc ça fait penser aussi aux quatre vivants de l'Apocalypse. Mais il me semble que c'est que. C'est le cœur du Christ, c'est... Jésus a parlé d'amour, seulement d'amour. Jésus a parlé d'amour et il nous a montré le chemin. Aujourd'hui, être amour, c'est être écologue à pompe parce qu'on est en train de détruire notre planète, tout simplement. On essaye. Je sais que la vie a gagné, le vivant a gagné. On n'arrivera pas à détruire le vivant. Le vivant qui est amour aussi, parce que ça nous a donné vie à nous. Tout ça, c'est de l'amour et on a oublié pour des profits d'argent. Le maître de la terre actuellement, c'est que l'argent, malheureusement. Malheureusement. Alors qu'il y a des choses primordiales, il faut manger, il faut continuer à vivre pour respecter la terre qui nous donne à manger, pour respecter les abeilles, pour respecter tout ce qui est. Je m'excuse. Quand on quitte son aimé pour qu'elle arrive à réaliser des choses, ça fait du mal au cœur. Alors c'est un cœur qui pleure tout simplement, j'ai voulu faire. Je n'ai voulu faire qu'une partie du moment. Moi, c'est ce que je vis que je dessine. Inattendu. Au bout de 4 années de face à face, François suit Ignace dans son désir de gagner les âmes à Dieu. Il est l'un des 7 premiers membres de la Compagnie de Jésus qui prononce leur vœu le 15 août 1534 à Montmartre. Ils font vœu de pauvreté, de pèlerinage à Jérusalem et d'obéissance au pape. Thank you.
procession se défilait en l'honneur des saints et des saintes, hein, ceux qui veillent sur nous, qui nous protègent, qui sont nos patrons, nos saints patrons, hein, donc portons le nom, pour dire notre joie d'être des baptisés, d'être des enfants de Dieu. Et justement, ce dimanche, c'est le dimanche qu'on appelle le dimanche de la joie. C'est pour cela que peut-être, quand vous avez été à la messe ce matin, vous avez pu voir que le prêtre portait un ornement de couleur rose. Et le propre de la joie, c'est que ça se partage. Quand on est heureux, on a toujours envie de le dire autour de soi. C'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Alors, maintenant, on va terminer cette célébration en chantant la litanie des saints.
Nous rendons grâce à Dieu. C'est pour ça que vos coordonnées nous sont très importantes. On peut... C'est à la fin qu'on a fait ça. Les coordonnées, on oublie pour le moment. Hein. D'accord. C'est juste à la fin, après, même après la lumière. Et puis, vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres jeunes mamans et d'autres jeunes parents qui redemandent aussi ce baptême. Et même pour le plus grand, reprendre le catéchisme. Parce que le plus Vous savez, hein, nous, on sait bien, mais le baptême, ça suffit après. Ils sont... Non. Le baptême, c'est la porte ouverte, c'est la première étape. Au revoir. Merci. Mais non, au revoir. Non, il faut qu'on fasse une réunion. Alors, un petit peu. On va essayer de mettre sur baptême. Et puis. Pour que l'on ait un peu plus. Écoutez, je vous laisse faire la prière. On peut se donner la main, mais non, monsieur. Donnez-moi la main. Commencer cette série de prédications publiques. Nous allons donc commencer par écouter un petit chant, si le musicien veut bien se mettre en place. La chanson s'appelle Eldorado. Si on va sur Internet pour surfer sur les grands sites d'information, on a du mal à croire à la joie, on a du mal à croire au bonheur. Il y a donc pour nous cette contradiction. D'un côté, on parle de la puissance de Dieu, d'un côté on dit que Dieu est bon, d'un côté on dit que Dieu est amour, et quand on regarde la vie du monde, on se demande où est passé cet amour. Où est passée cette puissance? Et pourtant, elle est là. Et pourtant, on peut l'expérimenter chacun, de manière particulière, dans notre cœur et dans notre vie. Si nous sommes là, c'est justement parce que nous sommes persuadés de cette présence de Dieu dans chacune de nos vies. On écoute nos hommes politiques. Est-ce qu'il faut vraiment les croire? Non. Ah, ça, je sais pas, on verra, hein. Ensuite, croire quoi? Les choses, elles changent. Les scientifiques, tous les 20 ans, changent leur certitude, après nous avoir abreuvé de nombreux commentaires pour nous expliquer qu'on était des ignorants et qu'on ne comprenait rien. Et puis 20 ans après, il faut changer, il faut croire à autre chose. C'est deux choses totalement différentes. Croire en Dieu, n'importe quel qui demeure, n'importe qui en est capable. Et ça ne va pas bouleverser la vie. Croire en Dieu. Croire en Dieu existe. C'est pas compliqué. Tous plus ou moins, on le croit. On s'en occupe ou on s'en occupe pas, mais croire que Dieu existe, croire en Dieu, bon, il a bien fallu quelqu'un pour que la Terre existe, pour que le Soleil existe, pour que les planètes existent. Donc croire en Dieu, ouais, mais ça ne va pas très loin. Croire Dieu. Croire Dieu, ça veut dire que Dieu me parle, qu'il me dit quelque chose. J'ai déjà à croire qu'il me dit quelque chose. Donc on n'affaire pas, on écoute son existence. Son existence, on sait. Il est là, il existe. Le problème, c'est de savoir quelle est la relation que j'ai avec lui. Croire Dieu. Plongé au fond du Rio Colorado, toutes les lignes j'ai croisées, en contrebande détrempée, mais jamais j'ai abandonné, même je vivais des deux côtés. Cette soirée s'inscrit dans le cadre d'une semaine missionnaire qui a lieu sur Loyenné, Fréjus, Saint-Raphaël, la paroisse environnante, et qui fait suite à la mission qui s'était déroulée l'an passé sur l'Aire toulonnaise et la création
est un reflet de ta présence et de ta beauté. Connaît son bonheur. Cette phrase que répétait souvent mon père,
Donc c'est effectivement l'école de la terre, eh bien, il y a l'école de réalisme, l'école du travail manuel, l'école aussi de la temporalité, parce que c'est pas en tirant sur l'herbe qu'elle pousse. Il y a une école d'émerveillement, de collaboration avec la nature, etc. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce travail de la terre, mais qui parle pas simplement pour ceux qui pratiquent ce travail, mais aussi pour l'ensemble d'une société. Et donc, notre société est passée de la ruralité vers l'urbanisme forcené, vers le périurbain. Par rapport au mirage, à l'illusion de réaliser sa vie en dehors de notre contingence, il y a d'ailleurs une première effort qui est mis par chacun. L'écologie commence par là. Soin qu'on peut apporter à soi-même, à son âme, à sa vie intérieure et aux petites choses. C'est ce qu'a vécu Saint-Joseph. La deuxième chose, vient de rappeler le frère Michel, c'est aujourd'hui dans ce débat écologique de replacer les choses dans l'ordre. C'est-à-dire le respect de la création commence d'abord par le respect de la vie. Dans quelle mesure est-ce qu'on est vraiment propriétaire de cette terre et qu'est-ce que veut dire ce mot propriété pour nous? Et donc comment est-ce qu'on doit se comporter face à ce nom qui nous est fait? L'osus, le photos, c'est la osus, le fait de pouvoir user de la chose, en tirer ses profits, mais même de l'aliéner. La propriété chrétienne n'est pas celle-là, puisqu'il y a au-dessus de la notion de propriété, celle de la destination universelle des biens. Les biens de la terre sont d'abord à tous, et dans la mesure où ils sont mieux gérés en étant appropriés, effectivement ils seront appropriés. Mais si par exemple quelqu'un meurt de faim et qu'il n'a pas d'autre moyen que de casser une vitrine pour piquer le pain et le manger, Saint Thomas d'Aquin dit que ce n'est pas un vol, parce qu'on revient au principe supérieur, celui de la destination universelle des biens. Alors pour ce qui est de la terre confiée à l'homme en général par Dieu, ce n'est pas une propriété, c'est plutôt une gérance. L'homme est intendant des dons de Dieu, mais à la fin de sa vie, il devra rendre des comptes. Le chapelet n'est pas un bijou. Sur chaque graine, on dit « Je vous salue, Marie ». C'est vrai, on en dit beaucoup. On en répète 53, mais une maman ne se lâche jamais d'entendre nos « Je t'aime ». Avez-vous un chapelet à la maison? Le triomphe de l'Ave Maria. Il y a des places disponibles à certaines tables.
L'objectif, c'est de remplir les tables, et une fois qu'elles sont remplies, on occupe des tables disponibles. L'important ce soir, c'est de faire connaissance les uns avec les autres. Donc on ne reste pas en petit clan, en petit groupe, on fait connaissance. On peut rester avec ses amis, certes, mais on fait aussi connaissance avec de nouvelles personnes. Donc remplissez bien les tables, il y a aussi de la place ici, donc n'hésitez pas. Alors, donc vous pouvez déjà prendre place aux tables, et puis des personnes vont vous servir l'apéritif. Jean-Claude Guédry sera chargé ce soir de l'animation de cette soirée, mais ce sera seulement à partir du dessert si vous avez mangé tout votre repas. Béni soit Dieu, mon serviteur de Dieu, pour tout ce qu'il a donné dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez-il les grands, que son nom est puissant. Il me reste 7 minutes, c'est ça. Le plus difficile, c'est pas de répondre à la parole de Dieu, c'est d'accepter que Dieu m'aime à la manière dont il m'aime. Et je peux vous promettre que ça, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'on est tous orgueilleux spirituellement, moi le premier. Alors, je vous propose de continuer la discussion. Je vous laisse rejoindre une salle d'accueil, parce que j'ai bien avance. Soirée, c'est que les premières choses qui étaient venues offertes, parce que les gens ont fait des dons, etc., sont nombreux, mais la paroisse est très généreuse ici, tout de même, les deux premières choses qui étaient offertes, ce sont le pain et le vin. Merci aussi aux guides, aux guidouilles, qui sont occupés des enfants. Et enfin, à tous les paroissiens qui ont eu cette audace, si on peut dire, dans l'amour, dans la charité, de tendre la main pour inviter leurs amis, qui sont encore tous bienvenus ce soir.
présenter pour recevoir le don de l'Esprit par la position des mains. Nous les confions les uns les autres à la miséricorde du Seigneur qui n'a pas choisi les bien portants et les malades. Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que tu as promis dans ton amour. Que ton Esprit Saint vienne habiter nos cœurs et nous donne la force d'être devant le monde des témoins de l'Évangile du Christ. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. C'est un long travail que l'on fait sur soi-même avec sa grâce.
puisant dans le contact avec lui, dans la prière, dans la vie sacramentelle, toutes les énergies, les forces de transformation qui sont nécessaires pour que notre vie soit ordonnée. Et quand une vie est vraiment ordonnée, elle produit la paix. C'est ce que disait saint Augustin, la paix, la tranquillité dans l'ordre. Une vie qui est désorganisée intérieurement, elle produit du trouble et finalement de la tristesse et elle conduit à la mort. On peut dire qu'il y a une joie de l'intimité quand notre vie est en harmonie avec ce pourquoi Dieu nous a fait. Et c'est le travail du Christ et de son Esprit dans nos cœurs. La troisième chose que l'on découvre lorsqu'on est chrétien, et on l'a dit tout à l'heure dans le contact que j'ai eu rapide avec les confirmants juste avant cette célébration, c'est que la joie d'être chrétien est liée à l'expérience d'appartenir à une famille. C'est la joie de la fraternité. Nous sommes tous frères parce que nous n'avons qu'un Père. Et c'est vrai que le Christ nous fait rentrer dans une expérience d'amitié profonde qui n'est pas encore, qui n'est pas du tout selon l'amitié dans le monde où l'on souvent cultive des relations pour des raisons d'intérêt, de reconnaissance. Mais là, c'est vraiment la charité qui nous donne accès à une fraternité en découvrant que les autres nous sont donnés pour nous aider à grandir nous-mêmes, que nous avons besoin d'eux, que nous avons aussi quelque chose à leur donner. C'est l'expérience d'une communion, et l'Église est un mystère de communion. Ô qu'il est doux pour des frères d'être ensemble, dit le psalmiste. Oui, la joie d'être frère. Et dans la communauté, même dans l'assemblée que nous formons, il y a des personnes d'origines diverses, peut-être, qui viennent de pays étrangers, des personnes tellement différentes de nous, par leur éducation, par leurs idées. Mais en réalité, nous avons un dénominateur commun qui fait que cette diversité et cette différence deviennent richesse. Et la communauté chrétienne est précisément le lieu de la joie. On apprend ainsi à donner et à recevoir les uns les autres dans le mystère de l'Église. Nous ne sommes pas des personnes juxtaposées qui vivons en parallèle avec des destins qui sont anonymes. Nous formons, comme le dira l'apôtre Paul, un corps. Être chrétien, c'est faire profondément l'expérience de cette fraternité. Et le fait de découvrir vraiment dans l'Église des frères et sœurs, cela nous procure une très grande joie. Et puis, cette joie d'être chrétien, d'appartenir au Christ, elle recèle une dimension qui est celle de la mission. Par le sacrement de la confirmation, vous allez être témoin du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce que vous a été donné de vivre, l'expérience de connaître le Christ, de l'aimer, vous conduit à pouvoir partager autour de vous cet amour, de pouvoir rendre compte de cette espérance que Dieu a déposée dans vos cœurs. Une des grandes expressions de la joie chrétienne, c'est la mission, c'est l'évangélisation. C'est de rendre au monde le témoignage que le but de notre vie, c'est le Christ, que nous sommes faits pour le Christ, que notre véritable épanouissement se trouve en lui et pas ailleurs, dans des fausses idoles ou dans des images mondaines. Et de pouvoir dire cela aux autres, de pouvoir le communiquer, pas simplement par des discours, mais à travers ce que nous vivons de Jésus lui-même, cela est une source extraordinaire de joie. Ainsi, sommes-nous tous, et les uns et les autres, les uns par les autres, amenés à cultiver cette joie d'être au Christ. Un jour, j'ai vu un enfant qui s'adressait à son père. Il venait tout juste d'être confirmé. Il disait, « Papa, je prie pour que tu reçoives l'Esprit Saint. » Et son père lui répondit, « Bien, mon enfant, j'ai reçu l'Esprit
saint depuis le jour de mon baptême. Alors lui, ajouta l'enfant, alors papa, je prie pour que cela se voie. Telle est ma prière. Comme le disait un philosophe, il s'appelait Nietzsche, disait ceci, si je voyais des chrétiens, qui est, excusez-moi l'expression, des gueules de ressuscité, peut-être que je croirais. Est-ce que nous avons à vivre ensemble, à recevoir ce sacrement de la confirmation, en essayant de le vivre, donc nous l'avons déjà reçu, d'avoir des têtes de ressuscité. Pas simplement en se maquillant, en ayant des expressions superficielles, mais profondément, en laissant l'Esprit Saint, qui est un esprit de joie, habiter notre cœur et nous mobiliser pour que nous vivions dans la charité et dans le témoignage de l'espérance qui habite en nous. Demandez cette grâce de connaître profondément la joie du Christ, de l'éprouver en vous et de la tester au monde. Amen. De la paroisse de Fayence, Juliette. Nathalie. Anne. De la paroisse de Saint-Raphaël. Svenzio. Sophie. Stélina. Dorane. Christelle. Pascal. Stéphane. Christophe. De la paroisse de Fréjus, Catherine, Magali, Christophe, Linda, Jean-Pierre. En vous levant, chers frères et sœurs, vous venez de manifester votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre démarche. Démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé plus particulièrement ces derniers temps. Mais votre foi date de plus longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parents et marraines, et bien d'autres encore, lui ont permis de se développer. Ils vous ont aidé et ils vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer maintenant votre foi. Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande donc de me répondre. Poursuivre Jésus-Christ, vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert de la Passion, qui a été enseveli, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite de l'univers. Croyez-vous en l'Église, croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui. Croyez-vous en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Demandons au Seigneur de fortifier par son esprit les confirmants et les combles de ses dons afin qu'ils annoncent avec joie la résurrection de Jésus. Qu'ils soient dans le monde des témoins de son amour pour tous les hommes en silence. Père Jésus-Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as délivrés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude de l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence.
qui est vivant pour les siècles des siècles. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses.
par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et d'aide et reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître par le baptême et que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit Saint. Garde ces nouveaux confirmés dans ta grâce. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse tout à fait, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Auprès de vous d'assurer les
conseils et par leurs propres témoignages et par leurs prières aux assistants. Merci à tous. Et merci à vous, chers confirmés, puisque par le don de l'Esprit Saint que vous avez reçu, vous devenez d'une manière plus particulière des témoins de l'Évangile. Vivez par la prière, en fréquentant la santé chrétienne, comme je le soulignais tout à l'heure, en vous rencontrant, en partageant avec vos frères et sœurs, vivez cette grâce que vous avez reçue, de la puissance de l'Esprit qui éclaire notre route et qui nous amène jusqu'au Christ. Je vais maintenant donc demander tout particulièrement au Seigneur de nous apporter sa force et sa paix pour que cette célébration ouvre une nouvelle dimension et une nouvelle trajectoire dans votre suite du Christ. Affermis, Seigneur, ce que tu as réalisé en nous et garde au cœur de tes fidèles les dons du Saint-Esprit, afin que les chrétiens n'aient pas honte de la croix du Christ, mais proclament dans le monde leur foi au Seigneur ressuscité et accomplissent ses commandements avec un amour généreux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Thank you.
qui est le sauveur. Oh,
toutes les sources et s'applique à peu près à tout. À son chien, au chocolat, de temps en temps aux grand-mères. Comment voulez-vous que nous nous y retrouvions ? Que l'homme peut être fort. Alors donc, oui, l'homme doit être très fort. Que l'homme peut aimer. Et c'est bon. Alors Dieu, puisque l'homme aime, Dieu doit être amour. Merci d'être venu participer, donc visionner ce film qui est un vrai film de cinéma. Hein. Il appartient vraiment au 7e art. Et nous avons la chance et la joie d'avoir avec nous ce soir bien son réalisateur, Jean Sagol, qui a débuté d'abord comme acteur, je crois, avec Fernandel pour Heureux Kikobulis, puis vous arrivez à Sainte-Bernadette. Curieux, hein ? Étrange. Tous les 25 ans, puisqu'il y avait eu le film d'Harry King, le film de Delannoy, ça avait chaque fois été un succès. Et finalement, il nous a laissé, avec mon compère Serge Lascar, le co-scénariste, il nous a laissé libre de faire un peu ce qu'on a fait, supervisé par Monseigneur Di Falco, et avec un œil bienveillant de Lourdes et de l'évêché de Lourdes. Et pour ces raisons, on a été tourné, vous le verrez, au Portugal. Pour deux raisons. C'est qu'à Lourdes, les choses ont bien changé. Tout s'est un peu modernisé. Donc on s'est dit, c'est pas possible, ça va nous coûter trop cher. On est parti au Portugal, où j'ai trouvé des décors magnifiques et des gens extraordinaires, des techniciens extraordinaires. Voilà. Le film arrive, il est là ce soir. Je suis très heureux de venir ici, parce que je sais que ça avait été très sollicité, que vous le vouliez. On avait été à Toulon, où ça avait été une... et ailleurs, où ça a été une très très belle soirée. Le film n'a pas été promu sur les chaînes de télévision, pourtant je suis un homme de télévision, parce qu'il y a eu un mépris, je dis le mot, et une manière de repousser le sujet. Bernadette, ça leur faisait pas peur, ça les... Ah non, pas ça, voilà. Pas de questions indiscrètes. Vous pouvez y aller, donner vos impressions, vos réactions. C'est la vie de Bernadette. C'est celle qui a été écrite partout, qui a été décrite partout. Et c'est son côté obstiné qui a fait qu'elle a triomphé, qu'elle a pu aller au-delà. Parce que sans ce caractère, sans cette volonté, sans cette force... Elle a dit « Je ne suis pas venu pour vous faire croire, je suis venu pour vous dire ». Tout le monde la connaît. Tous les gens qui vont à Lourdes la connaissent. Tous les gens qui ont... lu des choses sur Bernadette la connaissent. Et c'est-à-dire à quel point il y avait une force de conviction en elle. Et à la différence de ce qu'on croyait, de ce que je croyais moi aussi, quand j'ai lu tous les rapports qui ont été écrits sur elle, elle ne baissait jamais le regard. Jamais. Elle a dit, avec toute l'innocence et la force de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle avait ressenti, elle le disait comme ça, avec une force de caractère, sans provocation. C'est pas de la provocation. C'est de la certitude, comme tous les gens simples et innocents qui sont sûrs de ce qu'ils ont, du message qu'ils doivent transmettre ou de la chose qu'ils ont vue. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de combine, il n'y a pas de réflexion chez elle. Elle dit, j'ai vu, je dis. Voilà, ça c'était important. Comment avez-vous recruté et trouvé votre actrice principale ? D'abord, est-ce qu'elle vous a plu ? Bon, alors, maintenant je peux vous répondre. J'en ai vu 1000. Cette force que j'ai ressentie à travers ce qu'était le dit de tous les gens qui ont rapporté des choses sur elle, ou le ressenti en tout cas, à la fois humilité et à la fois force. Il fallait trouver quelqu'un qui soit comme ça. Un acteur, dès qu'il a des petites connaissances et des petits trucs, il commence à réfléchir, à penser. Et Bernadette, c'est l'inverse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de réflexion. J'ai vu, je sais, je dis. Et c'est ça la force. Et il fallait donc trouver quelqu'un qui ait cette innocence-là et cette manière. Donc il ne fallait pas une actrice. Elle n'est pas actrice du tout. Elle avait 17 ans et demi, 18 ans au moment du film. Je suis incapable de la décrire. Voilà. C'est ce qui fait sa force. Et il me fallait un regard. En même temps, plus j'allais dans le sens de cette espèce d'affirmation, plus il fallait quelqu'un qui soit aérien dans la contemplation.
dans ce qu'elle voit. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit, écoute, je veux surtout pas que tu te fasses coacher par quelqu'un, qu'on t'apprenne quoi que ce soit, je te veux comme tu es. Comme je t'ai vu, comme la lecture qu'on a fait, toi et moi, face à face, moi je jouais Jacomet, elle faisait Bernadette, et j'étais, tout de suite, je lui ai dit, ok. Eh ben écoute, pendant un mois, tu vas porter des sabots, tu mettras une heure. Et c'est tout. Elle m'a dit, ah bon, c'est tout? Oui, je lui ai dit, c'est tout. Tu fais des fagots de temps en temps, tu fais... Bon, elle m'a dit, ok, je fais ça. Et le premier jour, on est arrivé dans le village, il y avait le pont, là, vous avez vu ce beau pont que j'ai trouvé à côté du village, au Portugal, dans le nord du Portugal. Et elle me dit, écoute, est-ce que tu peux aller me montrer le pont? J'amènerai mes sabots. Donc elle a mis ses sabots, on a été voir le pont. Elle m'a dit, arrête-toi là. Et elle est partie en courant sur le pont avec les sabots, elle est revenue. Elle m'a dit, ça va maintenant? Je lui ai dit, oui, ça va. C'était aussi simple que ça, les rapports que j'ai eus avec elle. Ils ont toujours été très simples. C'est un film sur l'humain, l'amour, et ce chemin d'amour est un chemin vers la foi. Et moi, je ne suis pas forcément croyant, mais ce film m'a touché parce que je vais quand même réfléchir et relire. Est-ce que vous pouvez me dire le livre dans lequel vous avez pris, etc., etc. Donc voilà, je leur donne des détails et ils relisent. Alors s'il y avait un film que j'aurais rêvé faire, je ne pensais pas faire ça, mais c'était Charles de Foucault. Et lui et moi, on se bat depuis 10 ans. Et déjà là, on s'est fait jeter partout. Alors imaginez Charles de Foucault. Et Charles de Foucault, ça serait mon rêve avant de disparaître. Si je pouvais, je ferais ça. Voilà. Parce que ça correspond à... Je ne vois pas aujourd'hui quelque chose qui puisse être plus près de tout ce qu'on vit et le message le plus fort qui soit. Le ferment et la force de Bernadette, c'est qu'elle a eu des parents qui se sont aimés profondément. Et cette famille était unie, profondément unie, et on a voulu montrer dans le film aussi, par des petites touches simplement, cette espèce d'amour qui liait les parents, et qui était un exemple formidable pour elle. La seule création nouvelle qu'on a fait, c'est les deux journalistes, avec celui qui va bouger, le jeune, qui a son propre tourment personnel. Ce qui était important, ça nous permettait de montrer qu'à l'époque, les gens qui étaient un petit peu... dérangés ou qui proféraient qui avaient des images un peu étranges, on les mettait à la salpêtrière, on les flanquait dans un... c'était Charcot, c'était tout ça, c'était un moment où on ne savait pas comment gérer ces folies-là. Ça nous permettait de faire le parallèle avec Bernadette, un petit peu, et puis de montrer qu'on pouvait insensiblement, même en étant, peut-être, comme le dit son camarade, comme dit Logérias, en le regardant, il dit, mais toi, le républicain, l'intègre, celui qui est anti-calotte, Tu finalement, regarde, tu deviens... Et ça nous permettait de montrer aussi qu'on peut être touché par quelque chose et qu'il y avait un itinéraire parallèle. Après, nous, on ne pouvait pas s'apesantir sur Nevers, qui est une autre histoire, un autre pan de l'histoire. Et un pan que je ne veux pas, moi, toucher, je ne m'en sens pas capable. Vous savez, on lui donne le voile de prophète. Elle a rêvé de ça toute sa vie. Tout ce qu'elle vivait, elle ne vivait que pour ça. Et on peut imaginer qu'à ce moment-là, au moment où l'évêque lui donne le voile de prophète, elle a un espèce de sursaut. C'est comme ça que j'ai dit, j'ai expliqué la chose à Katia, moi, quand on l'a préparé. Je lui ai dit, c'est comme un sursaut et tout d'un coup, la vie revient, quoi, presque. Parce que c'est tellement le bonheur elle était malade aussi, la mère supérieure. Bon, on va pas tout traiter, on l'a pas traité, là, on peut pas. Il lui a dit cette phrase qui paraît terrible, mais qui est une espèce de, comme ça, de pique lancée, et en même temps, avec cette affectivité, ce petit sourire que j'ai mis sur le visage de la comédienne, quand elle lui dit, toute ta vie, tu as été une fauteuse de troubles. Ce qui est vrai, elle a dérangé tout le monde. Je ne suis qu'un balai qu'on met derrière la porte, quoi. Elle avait une notion d'elle-même qui était assez... Mais en même temps, elle disait, il ne se passe pas une seconde qu'on ne vive en aimant, il faut aimer tout le temps. Elle parlait d'amour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le message qu'on a voulu remettre, nous, avec Serre, dans l'actualité d'aujourd'hui. Je pense que c'est important, il n'y a pas d'amour. On se déchire tous. Donc ce message, il est fort. C'est pas archaïque de reprendre Bernadette. Elle est le point de rencontre du monde entier, quoi. Tout le monde va à Lourdes pour la rencontrer, un petit peu. On ouvre 3 salles de cinéma, et en particulier la salle Bernadette qui était... On la reprend. Et surtout, on enlève 4 rangées de sièges pour mettre des gens malades. Il n'y a aucun cinéma à Lourdes auquel pouvaient accéder les gens malades. Donc d'où on fait ça? Pour que les gens malades le voient à côté de gens valides. Voilà. Donc ça sortira là-bas. D'autre part, les DVD. Si on sort les DVD, à quoi servent les salles?
vous ne viendrez plus dans les salles. Donc, pas de DVD. Punition. Mais, cerise sur le gâteau, ceux qui viennent à Lourdes, qui rentreront dans la salle de cinéma, auront le droit d'acheter le DVD dans le cinéma. C'est mon idée. Elle n'est pas bête. Ça se passe dans le nord du Portugal, dans la région de Chaves, près de la frontière espagnole. Et c'est une région... Vous avez vu le village ? Les vieilles dames avec leurs capulets, ce sont leurs propres capulets. Elles vivent comme ça. Elles amènent les vaches comme ça. Et dans la région de Lourdes, il y avait trois vallées, capulet blanc, capulet rouge et capulet marron. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé ce que je voulais. Il y avait une petite porte. Ça faisait 3 mètres de base. Il ouvre cette porte. Qu'est-ce que je vois ? Une chapelle. Et qu'est-ce que je vois dans la chapelle ? Notre-Dame de Lourdes. Alors j'ai quand même réfléchi. Il me dit, en face, c'était un ancien presbytère où il y avait plusieurs prêtres. Et je pense que Fatima, c'est bien après. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis Fatima ? Il dit non. Ça restera Notre-Dame de Lourdes. Je suis portugais, mais ça restera Notre-Dame de Lourdes. Et j'ai réfléchi qu'en 1858, évidemment, au moment de l'apparition de Lourdes, les prêtres ont dû aller à Lourdes, puisque Fatima, c'est bien après. Et ils ont ramené cette statue et ils l'ont gardée là. Voilà, ça c'était un signe très fort. Parlez de ce film et surtout écrivez sur internet que vous êtes content. Première.fr et allociné.com. Vous me contactez et on essaie de voir si y a un cinéma à proximité qui nous prend. Pas internet. J. Sagols, c'est mon nom. j@gmail.com. Vous savez qu'on est petitement très peu représenté, pas représenté dans les médias, mais on est quand même en internet les premiers au point de vue cinéma. C'est le film qui a eu le plus d'appels d'internet et qui disent mais où est le film ? Pour ceux qui veulent aller à la messe, elle est à 10h30 à la base nature avec notre évêque. Puis ceux qui ne veulent pas, ben essayez de venir quand même. Un groupe de personnes qui sont avec Marc Gallo, l'aumônier, qui visitons les malades. Alors on a un étage par personne. On passe du coup le mercredi après-midi avec eux, avec les malades qu'on a. Et puis le soir à 6h, à 18h, on a la messe par le père José de Fréjus. Une mission extraordinaire. Non, mais voilà, une très belle mission, de très beaux moments, des partages, des rencontres. Alors oui, c'est vraiment une expérience, une très belle expérience. J'ai pu découvrir beaucoup de bonheur et de partage avec les autres. C'est vraiment une après-midi fabuleuse, là, et franchement, ça refaire. Là, beaucoup de bonheur. Eh bien, merci beaucoup de ton partage. Vous me demandez qu'est-ce que l'Esprit Saint a fait pour moi en ces 8 jours. Voilà, merci. En ces 8 jours de mission, moi, j'ai été particulièrement impressionné de cette unité entre les différentes réalités qu'on représente ici, de l'Église, et à la fois de comment beaucoup se sont vraiment donnés, depuis les séminaristes, les propélotiques, bien sûr beaucoup de laïcs qui, depuis des semaines, on va même dire 2 mois, presque jour après jour, ont préparé cette mission. Alors il n'y a pas eu forcément des foules à toutes les représentations, à toutes les rencontres, mais ce n'est pas ça qui est important. Jésus a évangélisé le monde avec 12 personnes, mais ils étaient enflammés du feu de l'Esprit-Saint. Voilà, donc je prie que sur la lancée de cette mission, eh bien, il y ait toujours plus de chrétiens qui soient enflammés du feu de Dieu pour porter l'Évangile dans la vie quotidienne. En fait, c'est le but d'une mission comme ça, c'est pour qu'après, dans la vie quotidienne, on soit des missionnaires au jour le jour. Voilà. Journée magnifique, on a eu tout ce qu'il faut, on a eu l'évêque, on a eu tous les prêtres du doyenné, on a eu le folklore, on a eu le soleil pas trop fort, juste ce qu'il fallait, on a eu
les enfants de tous les âges. Dans Famille Chrétienne, la première chose que je cherche, ce sont les dessins humoristiques de ce monsieur, qui s'appelle, je ne sais pas trop comment, Yves Guézou. Et parce que je trouve qu'ils sont très appropriés, très adaptés, très drôles. Oui, c'est le 29 septembre, toute la journée, c'est très riche. Donc ça, c'est pour aider à l'association. Les Amis de la Basilique organisent un colloque, d'accord. Ça dure une journée, c'est le 29 septembre. Nous avons trois conférenciers, Monsieur Poulard, Monsieur Casimirs, qui est un sociologue polonais. On a un docteur en droit qui est Monsieur Pupinck. Et tout ça, si vous voulez, présidé ce colloque par le père Cantalamessa, qui vient de Rome. C'est lui qui est chargé de prêcher le carême au pape et à toute la curie romaine. Donc voilà cette journée qui va être consacrée au thème l'Europe et le christianisme. La place des catholiques dans l'Europe d'aujourd'hui. Donc ça, c'est cette année. Et l'année prochaine, ce sera l'Europe de demain. Donc c'est trois années. L'année dernière, l'Europe d'hier avec l'histoire. Cette année, c'est l'Europe d'aujourd'hui. Et l'année prochaine, l'Europe de demain. Ce que j'ai apprécié dans cette messe, c'était la messe de fin de mission. En fait, c'est le début de notre mission aussi. Il faut continuer à évangéliser. Et puis, c'est toujours réconfortant d'être nombreux, et d'être réunis autour du Christ et de notre évêque. J'ai trouvé ça très sympa et les Sœurs de la Consolation qui font un patronage remarquable sur le doyenné tous les mercredis et qui ont un témoignage extraordinaire. Donc le patronage est à Sainte Bernadette, mais elles ont un témoignage de rayonnant et elles viennent nous apporter aussi quelque chose pour nous stimuler, nous ici. La diaconie qui se déroule depuis 2000, durant 3 ans, 2011, 12 et 13. Et puis il y a toutes les activités que fait Solidarité Estevar avec Semaï, les Amis de Paola, et parfois les syncrites orthodoxes, arméniens, anglicans, orthodoxes. Et avec même de la musique. Voilà. Donc on fait équipe ensemble. Ce stand est celui du groupe biblique écuménique. Le groupe biblique écuménique réunit depuis plusieurs années les confessions catholiques, protestantes, anglicanes et orthodoxes afin d'étudier la Bible. Le mercredi soir, notre prêtre référent, c'est le père Louis Grégoire, qui est actuellement le curé des adresses. Ben voilà, donc nous, on est la patrouille du fourgon, donc on reconnaît avec nos flots. Donc nous, notre but aujourd'hui, c'est d'apprendre aux gens le morse. Donc ils doivent décrypter un message. Ici, on apprend aux personnes à faire des nœuds. Oui. Donc il y a plusieurs nœuds, nœud de chaise, nœud capé de 100, nœud de 8, tout ça. D'accord, donc il y a un atelier là. Voilà, donc là il y a un atelier là, donc il est là. Et puis là, il y a un atelier pour apprendre aux enfants à faire du froissartage, c'est manipuler le bois sans ficelle. Travailler le bois sans ficelle, sans brelage. Juste avec le bois. Et ça marche parce qu'il y a plein d'enfants. Voilà. Exactement. Voilà. Ils aiment beaucoup ça. En général, voilà, les enfants, bravo, ils adorent. Vous êtes contents? Oui. Et puis notre mission, c'est un peu aussi d'essayer de recruter des enfants pour qu'ils soient scouts. En fait. Recruter les apôtres, ça veut dire quoi pour toi? Plus les personnes y viennent, et puis il y en aura quelques-uns qui seront scouts ou plutôt guides. Voilà, donc vous voulez augmenter la coupe. Voilà, on sort les gens de chez eux, on prend l'air, on dort sous la tente, on fait rondre. Eh bien, vous avez de l'enthousiasme alors, c'est bien. Ah oui. Voilà. Il y a toutes les informations qui sont produites par le mouvement des associations familiales catholiques qui défend la famille au sens large du terme, en s'appuyant sur la doctrine sociale de l'Église catholique. La revue des AFC, qui s'appelle La vie des AFC, sur les différents thèmes, ça paraît une fois tous les mois ou tous les deux mois, ça dépend des périodes. Vous avez bien évidemment les bulletins d'inscription, d'adhésion, avec tous les renseignements qui vous permettent de mieux connaître le mouvement des AFC. Il est impératif d'adhérer, parce que ce sont les voix des familles qui comptent. Bonjour père, Don Bruno. Oui, ça va? Je vois que vous êtes touché du Bob. Voilà, il ne m'a pas lâché. C'est pas le Seigneur m'a touché, c'est le Seigneur m'a pas lâché. Quel est son prénom? Louise. Louise. Quel âge? Elle va avoir 6 mois. Et on est habitué à la messe à Sainte-Bernadette. Ouais. C'est là-bas qu'on a entendu parler de cette messe ici. D'accord.
Et donc pour se retrouver tous les chrétiens ensemble, c'était, enfin, les chrétiens de par ici, c'était pour nous normal de venir et de laisser éclater notre joie d'être ensemble. Il m'a aidé surtout à préparer le baptême de ma fille, trouvant les mots qu'il fallait et voilà, il m'a aidé à ce niveau-là. Je viens d'arriver de Corse ce matin, à 6h du matin à Nice. Avec une amie, tu voudrais bien aller à la messe? Ben oui, tout à fait. Voilà. Et donc, je m'appelle Anna, je fais partie de la communauté Canção Nova. Je travaille dans les médias. C'est différent pour moi d'être dans les médias. Mais en préparant, parce que nous, on n'a pas participé vraiment de la mission en soi. Nous, on est venus pour enregistrer, pour prendre des images, pour prendre des témoignages. À chaque fois qu'on se met au service du Seigneur, qu'on se met à l'œuvre du Seigneur pour ouvrir pour Dieu, ça c'est toujours une grande joie parce que c'est pas chaque fois, comme nous a bien dit l'évêque pendant cette messe, à chaque fois qu'on va annoncer le Christ, on le reçoit davantage. Donc c'est un peu ces ressentis que j'ai à chaque fois que je viens, que je me donne, que je travaille pour le Seigneur, je le reçois plus davantage. La joie d'avoir d'abord le temps magnifique et une messe absolument, comment dire, aussi magnifique, bien sûr, avec beaucoup de ferveur et beaucoup de chants. Vous avez participé dans quelle... À la chorale, bien sûr. Alors, avec la joie du chant. Avec, oui, surtout le fait de participer avec d'autres personnes qui viennent d'un peu partout. Et voilà. En gros, il y a 4 rangées de 20, 4 fois de 8, 800. Donc, en gros, il y avait à cette cérémonie entre 1200 et 1400 personnes, je pense. Le Seigneur m'a donné d'ancrer encore un peu plus ma foi dans le Christ et puis de rencontrer de nombreuses personnes, de me rendre compte aussi de l'urgence de l'évangélisation, de l'urgence d'annoncer le Christ, d'annoncer l'amour de Dieu. Et puis m'a donné une grande joie aujourd'hui d'avoir annoncé l'amour de Dieu, d'avoir été un apôtre pendant toute cette semaine. Savoir que j'ai contribué avec mes frères à repousser les portes des enfers. Oui, moi cette semaine, de façon assez particulière, j'ai pu ressentir aussi la grâce qu'on avait de, en annonçant le Christ, de sortir de soi pour être des canaux de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que en allant rencontrer les gens, il y a un moment donné, on ne peut plus avoir de carapace. Et on est obligé d'être très clair, quoi. Et d'être soi. Et du coup, d'une certaine manière, de sortir de la carapace qu'il y a autour de nous pour pouvoir être en vérité avec les gens. Parce que ce qui n'importe pas, c'est pas d'avoir du bagou et de savoir accrocher les gens avec des choses, des phrases accrocheuses, etc. et d'être commercial. Ce qui importe, c'est que les gens aient vraiment l'impression d'avoir en face d'eux quelqu'un qui vient livrer son cœur et qui a un cœur joyeux et dans lequel le Christ est présent. Et donc voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup marqué cette semaine, de sentir que à travers cette démarche, ben, très souvent l'Esprit Saint se met à parler à travers nous et on trouve une phrase, on ne sait pas pourquoi, d'où elle sort, et puis ça va toucher le cœur de la personne. Surtout regarder les textes, les dessins. Donc voilà, Catherine, 26 ans, je me prépare au baptême. Depuis un certain temps. Et je serai baptisée le 7 avril, la nuit de Pâques. Et voici Sœur Diane, ma marraine. Et voilà. Alors, joyeuse ? Oui. Ah, oui. C'est quoi le baptême alors ? Quelle est l'espérance ? Le baptême, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Oui. Et aussi les sept dons. Les sept dons, oui, du Saint-Esprit. D'accord. Et c'est la joie, c'est une résurrection. C'est après un témoignage aussi. Même s'il n'y a pas forcément besoin de parler pour témoigner, on peut témoigner par son comportement, sa manière de vivre. Ouais, le sourire. Ouais. En restant simple, en fait. Voilà dans la simplicité. C'est Yolande qui s'est engagée du stand entièrement. D'accord. Parce que moi, je vais me mettre à en parler maintenant pour engager la conversation avec les gens, pour leur parler de Jésus, de Dieu. J'ai trouvé ça vraiment une très bonne méthode.
mais on pourra continuer à faire ce genre de choses. Par rapport aux autres fois où on distribue des flyers, c'est moins facile d'introduire la conversation avec ou de faire de la publicité pour toutes les activités de la mission. Parler directement à partir d'une petite parole de Dieu qu'on explique, c'est... Vous appuyez sur la parole du Seigneur. Voilà, on a parlé un petit peu donc à partir de sa parole, puis je lui ai montré la basilique de Saint-Raphaël qu'on voyait de loin, en lui disant que regardez comme c'est beau la maison du Seigneur. Elle avait les larmes aux yeux alors qu'on avait discuté un peu avant, et c'était touchant. Ce livre, il a beaucoup d'humour, et puis c'est vrai que quand on rit, on voit... On se revoit un petit peu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parts de vérité, puis c'est très drôle, c'est très marrant parce qu'on se reconnaît un petit peu, quoi. Beaucoup de sens de l'humour, même dans la Bible, on voit que Jésus, il aimait beaucoup faire de l'humour, et puis là, on voit que ça continue. Une action de l'Esprit Saint aujourd'hui, ben, je crois que c'est la messe et toute cette semaine d'évangélisation. Cette semaine d'évangélisation, ça m'a appris beaucoup de choses, et puis... parce que ça a été un peu une grâce et un plaisir pour tout le monde. Pour moi, cette semaine de mission a été une grande grâce. Et je pense que justement, c'est ce qui a fait la force de cette mission, c'est les différents charismes et les différentes vocations rassemblées. Je pense que cette unité, elle a porté la mission, elle a porté la parole de Dieu vers ceux qui sont éloignés de Dieu, éloignés de l'Église. Notre propre foi, elle est raffermie, elle est renouvelée. Je pense que ça, je l'ai vécu aussi. De voir qu'il y a des gens... qui n'attendent que entendre parler de Dieu, des gens qui sont assoiffés, qui souffrent et qui du coup retrouvent la joie de vivre, retrouvent une porte, une nouvelle porte, une nouvelle joie, quelque chose, ils découvrent qu'il y a quelque chose de plus dans la vie que les occupations de tous les jours. Et cela m'a fait énormément de bien de voir que justement que cette espérance qui m'habite, c'est la même qui habite celui qui est à côté de moi, qui fait la mission avec moi. Mais c'est la même que dont tout le monde a besoin. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour cette mission. Merci à chacun. Et j'espère que cet élan de mission va continuer dans nos cœurs et dans notre Église. Le Seigneur a mis le soleil pour les bons et les moins bons. Et c'est un peu comme les capteurs solaires. Il faut ouvrir nos mains et capter cette grâce divine, comme disent les anges. Vous me demandez juste ce que le Seigneur a fait pour moi cette semaine. Bah oui, c'est différent. Eh bien, je crois que déjà le Seigneur nous a donné la force d'aller annoncer l'Évangile à son peuple. À son peuple qu'il aime si tendrement. Alors elle me dit, ça y est, ta semaine, t'as tout barré sur l'agenda. De faire de belles rencontres. C'est fini. Il va y avoir du débriefing. C'est vrai que comme tous les chrétiens aussi se sont donné du mal pour aller vers les autres, leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. On a eu... Je pense que le fait qu'on soit en habit fait qu'on a eu aussi la grâce de voir ce que ces paroissiens ont semé. On pouvait en voir quelque chose de ce qui a pu germer dans le cœur, parce qu'on pouvait avoir aussi des confidences de ce qui a pu être semé par le travail des paroissiens pendant cette semaine. Donc un grand merci à tous. Surtout un grand merci au Seigneur qui nous donne la foi et qui nous donne la chance d'être à son service. On your solemnization, c'est le mariage civil. Solemnization. Yeah, your solemnization, 27 October 2010. Bon, 27 October. 27. C'est cette joie qui est apportée par nos Polynésiens. Oui. Hein? Ça, c'est vraiment très sympathique. Ah, ouais, ouais, ouais. Toujours très sympathique. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est le contraste entre une certaine classicisme dans la liturgie et puis quand même cette présence aussi de quelque chose de différent d'ailleurs. Mmh. Voilà. Moi, ça m'a donné plein d'idées pour évangéliser. Ça m'a complètement boosté dans ce désir d'évangéliser par l'humour. Et là, c'est une grande richesse dans tous les contacts. Tout ce qui s'est passé vraiment. Mais c'est les gens que tu as rencontrés ou c'est les qui gens, te fait dire ça? Bah, tout ce qui s'est. Tout, enfin, les événements à la fois, l'organisation, les rencontres effectivement, les retours de personnes qui sont venues me voir. D'accord, tu as reçu des gens qui t'ont dit qu'ils étaient heureux d'être là et regarder tes dessins, mais en même temps ils t'ont parlé qui, de. Ils sont beaucoup amusés bien sûr, mais aussi des gens qui ont été touchés par le témoignage et qui.
Donc je pense que vraiment il y a quelque chose là. Je sens que c'est la nouvelle évangélisation avec l'humour, c'est génial quoi. Et je crois que je vais passer à la vitesse supérieure parce que franchement, Donne-moi donner tous les moyens. Un exemple. Qu'est-ce que c'est que la vitesse supérieure? Ben, c'est-à-dire être beaucoup plus équipé déjà. Tu vois, il y avait plein de choses qui sont, par exemple, j'ai des cartes postales. C'est des vecteurs extraordinaires qui coûtent pas cher et qui permettent de ça, c'est pour ton boulot, d'évangéliser. Pour ton travail. Mais pas seulement pour mon travail, c'est aussi de l'évangélisation parce que la carte postale, après, ça peut s'envoyer à n'importe qui, des gens qui sont en marge de l'église et des gens à qui on hésiterait d'envoyer un bouquin ou autre. Là, c'est vraiment le petit geste tranquille et qui fait découvrir un nouveau visage d'église à des gens qui sont complètement éloignés. Et on hésite beaucoup moins à le faire. Le témoignage de ma rencontre avec le Seigneur et de cette chute initiale qui m'a permis de me débarrasser de mon orgueil, qui attaque toujours, mais enfin de tout ce qui m'empêchait d'avancer et de rencontrer le Seigneur en vérité. Et puis vraiment ce lien avec l'évangile d'aujourd'hui, la parole, vraiment je sens qu'on est vraiment sur le bon chemin, que ça doit absolument pas s'arrêter là, au contraire. La semaine a été magnifique, nous avons vécu de bons moments, mais moi je suis engagé, entre autres, dans des associations, et en particulier la diaconie, et aussi je participe à des rencontres informelles, dans des maisons de retraite, avec des gens âgés, pas forcément malades, mais qui ont besoin d'un accueil. Se retrouver ensemble pour dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on peut améliorer, ce que... Enfin, moi, il me semble que c'est le but. Mais il faut se retrouver ensemble. Pas que chacun dans sa paroisse. Il faut qu'on repartage. Parce que le but de la mission, c'était d'aller vers les autres, mais en priorité aussi, en priorité, il n'y a pas de priorité, mais aussi vers les gens qui marchent déjà dans la même direction. Enfin, moi, je viens. Toi, tu amènes le café, elle amène les gâteaux. D'accord. Mais je pense qu'il faut tous les acteurs qui ont vraiment participé pour ces journées, parce que c'est quelque chose. Je pense qu'il
défauts, quelque chose qu'on donne la joie qu'on a eue. Et puis avec le film de Dina. Et avec le film, avec les photos. Le film et tous les artistes. Oui, et nous, tous les acteurs. On a déjà mis en paroisse les photos de la journée porte ouverte du défilé des enfants. On va faire d'autres panneaux avec les autres choses. Je vais ressortir les photos. Mais parce que pour aussi donner envie aux gens qui ne sont pas venus, leur faire voir qu'ils ont manqué quelque chose. Moi, je trouve qu'hier, au défilé, on n'était pas assez nombreux. Pas assez. Parce que je pense que dans nos paroisses, on n'a pas mis assez l'accent sur la possibilité du covoiturage, comme à la messe ce matin. Mais hier, allez... Pour l'arrêter, c'est très difficile. Non, non. Mais... Et ce matin... pourquoi il y avait beaucoup de monde à la messe hier soir? Bon, il y a des gens qui ne pouvaient pas aujourd'hui, ça se comprend. Mais les gens... On a dit qu'on pouvait en prendre dans nos voitures, on n'a eu personne. Voilà. Pour le défilé des enfants, le jour du catéchisme, avec Daniel, on s'est mis à la barrière et on a été voir tous les parents. On leur a dit qu'il faut qu'ils viennent au défilé des enfants. Je parle du défilé. Et il faut que l'enfant essaie d'amener un autre petit copain. Eh bien, on a eu le succès qu'on a eu. Ils sont venus. Voilà. Je voterai pour toi. Non, j'ai remarqué que pendant la messe, il y a des gens qui étaient promeneurs. Et en fin de compte, ils se sont arrêtés et ont participé à la messe pendant 5-10 minutes. Mais ils ont été présents et ça a dû les interpeller. On a eu la visite de l'évêque qui a accepté de faire l'ouverture du colloque du 29 septembre, ce qui n'était pas prévu et qui est une très bonne nouvelle. Et tout le monde est satisfait. Parce qu'en plus, l'évêque connaît bien Émile Poula qui doit intervenir et ils vont se rencontrer, ça sera très bien. Toucher beaucoup dans la mission, c'est vraiment de rencontrer les gens dans la rue et voir qu'on peut porter quelque chose et que nous on peut recevoir aussi. À partir du moment où on donne un tout petit sourire, les gens arrivent quand même à répondre sous un regard tendre, quelque chose comme ça. Ça nous porte beaucoup de choses et on voit vraiment Jésus-Christ, il est là présent parmi nous. Jésus-Christ, vraiment, il est dans chacun de nous et on le voit pendant la mission, dans chaque chair, dans chaque regard qu'on trouve dans la rue, dans les petits, dans les grands, dans les plus âgés. Et je suis vraiment content de vraiment faire une participation à ces moments très importants de l'Église ici à Fréjus à Saint-Raphaël. Percutant comme d'habitude, et voilà, dans la joie, la bonne humeur et une ambiance familiale.
Alors voilà, on a passé une très bonne journée, c'était super. Ouais, on s'est battu avec les, bon, avec fait les quoi scouts. On s'est battu avec les scouts. On a mis à terre 3 chefs. Bah, une bien belle journée pour ce qu'on a vu, parce qu'on était là juste pour cette journée. Mais de très bons souvenirs que remémorer de ce qui s'est passé il y a quelques années dans le golfe de Saint-Tropez et qui nous donne une impulsion pour le vivre à nouveau à l'appel de notre évêque. Voilà. Ces étincelles de joie, de bonheur, de paix, d'unité que nous avons vécues, eh bien, nous voulons aussi le donner à ceux qui nous entourent, parce que nous savons que ce que nous voulons donner, c'est vraiment l'amour et la vie du Christ. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors nous avons participé à pas mal de choses et nous trouvons que c'est une belle organisation et que l'idée était très bonne et on est partant pour recommencer l'année prochaine. Super journée, début un petit peu chaotique, mais franchement ça s'est super bien passé. Un bel esprit de partage et d'amour quand même, parce que malgré que les petites difficultés de la mise en place, et bien super journée sous le signe de la fraternité, et ça c'est super. Ben, c'est terminé, voilà. C'était bien. À la prochaine maintenant.